Bonsoir, chef. Ils vous attendent. Je vous remercie. Bonsoir, messieurs. J'ai apporté ma facture. Une expulsion de chocolatier au tarif habituel. Oh. C'est parti, mon kiki, en avant la régalade. Oui. J'aurais une question. Que diriez-vous de gagner quelques boîtes de plus? Oh, je suis tout ouïe. Dans le cas de Mr. Wonka, nous pensons que la situation demande plus qu'une simple expulsion. Oh, il est doué. Trop doué. Et ce n'est pas tout, il ne fait payer qu'un sous-vin le chocolat. Alors tout le monde peut s'en offrir, même les... Vous savez, les... Les pauvres? Seigneur, je crois que j'ai un peu vomi dans ma bouche. Ayez l'obligeance d'éviter de mentionner cette catégorie de personnes en ma présence. Il ne supporte pas le mot pauvre. Navré Félix, nous voulons que vous lui passiez un message. En employant une force excessive. Si d'aventure il pensait vendre ses chocolats à nouveau dans cette ville, il pourrait bien avoir un accident. Un accident fatal? Oui, j'avais compris. Inutile de le répéter. Je m'assure que nous sommes sur la même longueur d'onde. Sur la vôtre, ça risque pas. Qu'assinuez-vous par là? Enfin, j'ai compris. Enfin, non, d'ailleurs, dites-le-moi. Messieurs, s'il vous plaît. Alors, qu'en dites-vous, chef? Est-ce que c'est entendu? Bon, écoutez, messieurs, je suis un représentant des forces de l'ordre. Je suis désolé, je ne peux pas aller molester vos concurrents. Je le regrette. Asseyez-vous, chef. Vous êtes un homme d'une grande intégrité. Je vous remercie. J'aurais juste une question. Aimez-vous les douceurs? J'adore les trucs qui vous font saliver. Aimez-vous les douceurs? J'adore ce que vous aimez, on l'a trouvé. Pas de crise de conscience, non-sens, c'est hors de proportion. Donc, vos chocolats favoris, pardon, mais je vous dis non. J'ai promis à ma femme que j'arrêtais le chocolat. Je dois être en forme pour le bal de la police. Mais pensez à ces douceurs. J'en pleure, j'en mange depuis que je suis enfant. Ces sournoises petites douceurs, crève-cœur, c'est tout ce qui reste maintenant. Quant à ce tour de taille, détail, c'est bon, qui prête attention? Donc, 700 petites boîtes, c'est beaucoup de chocolat. Non! Non! Gentlemen, commençons la vente! Non! Messieurs, un morgue de chocolat. Je suis vraiment oui. Un fou des sucreries. Dites oui. Oh oui. Car on en a des tas. Pourquoi chanter? Si votre femme se plaint de votre embonpoint. C'est étonnant ce qu'un tailleur peut arranger. Gardez vos chocolats. 2000 petites boîtes. Okay.